un show physique, après une période de pandémie, m'a fait repenser. Il faut que le show physique soit aussi fort en image. En fait, il ne faut pas penser que au ressenti des gens aussi sur le show. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement sensuel. C'est une histoire d'amour entre une jeune fille et un homme plus âgé dans une ambiance Sud-Asie. Comment ça s'est retranscrit? C'est toute cette notion de peignoir, en fait, de vêtements intérieurs, extérieurs. Tous les motifs de la collection sont inspirés des papiers marbrés donc qui sont à l'intérieur des livres et qui en même temps peuvent rappeler tout ce côté très aquatique des fleuves du Mékong et qu'on a essayé de retranscrire avec différentes techniques comme d'habitude dans la marque, donc que ça soit en impression digitale, en laser, en broderie, en jacquard. Toutes les teintures de la collection sont naturelles, donc par exemple c'est du café, de la betterave. On a réussi à retrouver pas mal de fournisseurs français au niveau textile aussi, donc par exemple dont un fournisseur de jeans qui réhabilite des anciennes machines pour refaire des nouveaux tissages en lin et tout, genre c'est vraiment cool. Sustainable, c'est un levier d'innovation en fait, c'est pas du tout du green bashing, c'est pas un moyen de vendre plus, pour nous c'est un moyen de faire évoluer des techniques. Donc là par exemple le fait de rapatrier en France, c'est parce que c'est plus pratique et surtout c'est parce qu'il y a un savoir-faire. En fait par exemple ça, ce genre de pièce, donc ça c'est de la broderie, un peu comme des linges de maison en fait, donc c'est vraiment un fournisseur qu'on a mis un temps fou à trouver en France et qui fait ce qu'on appelle des broderies verticales. Ça par exemple c'est de la maille en acétate, donc il y a un côté extrêmement liquide et surtout c'est très froid sur la peau, donc l'été c'est extrêmement agréable. Sur l'underwear, voilà, qui a été lancé chez nous il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine, et ça marche super bien. Donc c'est assez marrant de voir comment un projet comme celui-ci, qui a un peu commencé comme une blague l'été dernier, finalement on a passé 6 mois à le développer en France. Justement c'est un des derniers produits, tout ce qui est lingerie, on a un super savoir-faire encore en France. C'est un vrai succès en tout cas, on est déjà en réassort, ça fait une semaine. L'idée de reprendre cette ouverture asymétrique qu'on observe maintenant, qui est devenue signature de la marque, et sur les encolures de t-shirts, sur des bas de pantalon, sur des vestes, en fait, et de là de l'appliquer sur un slip, du coup ça devient hyper sexy. Du fun. Voilà, on a beaucoup de chance d'avoir l'opportunité de travailler dans de telles conditions, de pouvoir défiler. Du coup, il faut vraiment en profiter et chaque moment est un pur bonheur, quoi.